Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 63, si je dis pas de bêtises. On est sur W2K18, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai envie de coacher un petit nouveau. Voilà, allez, allons lui parler. Coach, en voilà une bonne surprise, ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? T'as décroché une promotion, ou quoi? Ah ah, non, enfin, pas encore. Je viens évaluer quelques espoirs du coin qui doivent se produire ce soir. Un événement NXT Live est prévu ici dans quelques semaines, et si ces gars réussissent à m'impressionner, je voudrais les booker pour l'autre show. Et pendant que je te tiens, tu crois que tu pourrais me rendre un petit service? Ah ah, ça dépend. T'as besoin de quoi? L'un de nos meilleurs talents de NXT va être intégré au roster principal. Il est incroyablement doué, pardon, excusez-moi, mais surtout, c'est un bon gars. Je voudrais pas qu'il se retrouve paumé dans sa transition entre NXT et le roster principal. Tu pourrais le prendre sous ton aile et le soutenir pendant ses premiers matchs? Aucun problème, coach. Je donnerai un coup de main pour lui assurer quelques victoires dès le début. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Voilà. On se fait un petit peu comme ça dure sur 2 semaines. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. En plus, vous m'aviez dit, vous, à l'époque, que vous aimiez bien ça. Ça change un petit peu. Voilà, que faire que des combats, etc. Et surtout, bah, on va pouvoir voir qui est ce nouvel apprenti. Je vais laisser les combats... je vais laisser la durée du combat du début à la fin. Après, si c'est trop long, je ferai une petite coupure, mais normalement, ça devrait aller. Comme d'habitude, si vous voulez laisser un petit like à cet épisode numéro 63, bah, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci au petit loup. Mais toi, je m'en fous de toi. Mais par contre, vous, je m'en fous pas. Donc merci à ceux qui laisseront un petit like, mes petits loups. Alors, par contre, Apollo. On va discuter, toi et moi. Ça va, tranquille, Psartek, la famille et tout le monde va bien? Je suis à une minute de mettre mon casque sur les oreilles. Personne en coulisses n'a quoi que ce soit de plus important à dire que mes propres pensées. Et une fois que tu auras réalisé ça, toi aussi tu mettras ton casque en place. Ah ouais? D'accord. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ouais. C'est vrai que cette phrase-là, c'est la première fois. Est-ce qu'ils auraient rajouté des phrases avec les mises à jour? Bonne question, enfin, je pense pas. Je pense que là, c'est un coup de bol, mais bon. On va aller voir René, faire une petite interview, sans doute. Pensez-vous que ce combat représente votre plus grand défi à ce jour? Un défi, oui, mais je ne m'en fais pas. Tous les matchs sont des défis, bien sûr. Tous les matchs que j'ai pu faire avaient leur lot de difficultés. C'est quand même la WWE, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. C'est le haut du panier. Nous sommes habitués à la difficulté. Je passe chaque jour à me préparer aux défis qui m'attendent. Si tous mes matchs étaient faciles, ça ne vaudrait pas le coup de les faire. L'univers WWE réagit de manière très particulière en ce moment. Si vous pouviez vous adresser à un membre du public, que le diriez-vous? On ne peut pas y arriver sans vous. On est dans le même bateau, c'est mathématique. Si tu te fais embaucher par WWE, tu m'intéresseras. Monter dans le locomotive. Ah, ça j'aime bien. Vous le sentez, je suis l'élu. La direction l'a bien vu. Alors montez à bord de cette locomotive rutilante et je vous ferai voyager. Vous ne voulez pas faire partie de l'équipe des gagnants? Alors en voiture, Simone. Merci de m'avoir accordé un moment. À vous. Allez, voyons la carte de ce soir. Bien entendu, hein. Pour le petit nouveau, ce sera dès la semaine prochaine. Les défis se font toujours la semaine qui suit. Alors, promo d'Apollo Crews, Gallows et Finn Balor, ok. Ou un match triple menace, ça va être intéressant. Moi contre Sheamus, contre Matt Hardy, ça je dis oui, c'est bien. C'est bien. Le Big Show contre Apollo Crews, ok. Jeff Hardy contre Neville, Scott Dawson, Dean Ambrose, Mark Henry, Braun Strowman. Et là, c'est le Fatal 4-Way. Ah, ça aussi, c'est pas mal. Hein. Ça aussi, c'était l'un des deux matchs que j'aurais voulu participer. Et Brock Lesnar contre Samoa Joe. On est parti. La menace peut venir de tous les côtés. Voilà. Ouf, je le sentais mal. Oh, ça va. Sheamus, dès le début, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Par contre, j'espère juste que Matt Hardy va rester dans son coin. En même temps, je dis ça, je m'approche de lui comme si tout allait bien. Faut pas oublier, à la base, c'est des spécialistes du tag team, on va dire. Sauf que, bah là, ils sont séparés. Enfin, tag team, oui, non, enfin, on se comprend, d'accord? On se comprend, il n'y a pas de problème. Tiens, Matt, je te l'envoie. Cadeau. Ok. Pas forcément réagi, c'est pas grave. Mais bon, faudra pas deux. Allez, relève-toi. Faut faire gaffe dans ce genre de match. Parce que c'est au moment où je vais être épuisé qu'ils vont en profiter. Allez! Encore une fois, voilà. Ah, ouais, jamais 203. Bien joué. J'avais l'occasion de le contrer 1000 fois, mais malheureusement, pas forcément assuré.
D'accord. Mais tu le dis si je te fais chier, hein. Voilà. Et toi, là, bim. Ah, d'accord. Ouf. Oh, comme il m'a envoyé, Valdinguer. Voilà, la puissance. La puissance, moi, je mets la barre haute aussi. D'accord. Ah, ok. Bah alors, on n'a pas de force. J'avais dit quelque chose, ça se retourne contre moi. Ah. Par contre, faut faire attention. Non, ça va. Tout va bien. On est au début du match. Et bim. Voilà. Oh, bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je dirais même que ça va très très bien. Ah, bah, je prends les objets. Hein. Tu me donnes l'occasion d'avoir des objets. J'en profite. Elle pique maintenant, ça devient sauvage. Il connaît pas la passion. Ouh. Tu vas te calmer. Attention, Jojo. Ah oui. Pourquoi tu fais non à côté de Jojo? T'es qui d'abord, hein? Qu'est-ce que tu veux? Bon. À part l'endurance qu'on a grillé comme un petit cochon, pour tout le reste, on est très très bien. Voilà. Ouais. On est bien, on est bien. Faut faire quand même attention. C'est dommage qu'il l'a pas gardé. Oh non. Ouh, sur les escaliers, ça picote, ça picote. Ouh, ça picote. Ouh, ça picote. Voilà. Viens là, mon petit loup. Ah ouais. Très bien, d'accord. Ah là, par contre, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. À la base, normalement, j'aurais dû te taper avant. Eh, c'est pas un match tag team, Matt. Voilà, c'est voilà. Voilà bah, maintenant, tu vas taper, hein. Ah bah oui, forcément. Excusez-moi, monsieur l'arbitre. Excusez-moi. Attends. C'est quoi ce moment? Ce moment bizarre. J'ai tapé l'arbitre. J'ai fait une esquive, je sais pas comment. Je lui ai fait le spécial et il me l'a contré. D'accord. Moment très, très spécial. Ouais. Ça a tout son sens. Bon, je récupère un petit peu, ouais, mais. Attends. Juste pour pouvoir contrer. Et voilà. Je sais pas pourquoi. Matt. Viens là. Je vais te montrer. Non, non. Je vais lui montrer la puissance. La puissance, c'est celle-là. Voilà. Il peut peut-être passer là en tombée. Qui sait, hein. Je glisse un petit billet. Tout va bien. Alors. On a mal un petit peu. Attends, je vais te mettre au coin. Je pense que toi, tu aimes bien les coins. Voilà, tu vois. On prend notre temps. Attention, Sheamus. Je le sentais. Je le sentais. Je le sentais venir. Dès que tu te retournes, c'est mort. Ouais, d'accord. Je vous laisse, messieurs. D'accord. Je te dis, je te laisse, tu voulais pas. Alors là, tu vas déguster. Là, tu vas déguster. Je te soulève direct, bim. Et bim. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. 1, 2, simplement 2. Ah, tu sens le match que je vais dominer. Mais qu'après, ils vont me voler. Ils vont me voler cette victoire. Et pourtant, là, il faut que je gagne. Qu'avoir deux défaites à la suite, le public ne me prendrait plus au sérieux. Normalement, c'est bon, il va se relever. Aucun problème. Voilà, il a récupéré de toute façon. Non, t'aurais jamais dû faire ça. Jamais. Ah, d'accord. Oh, bah. Oui, si vous voulez. Voilà, moi, je. Tranquille. Bah, pas de problème. Non, non, moi ça va pas. Ça va pas! D'accord, je sais pas ce qui s'est passé. Je dis que ça. Oh ma gorge! J'ai mal à la gorge! Ah ouais, ça attaque directement avec le finisher. Et voilà. Tu vois ce que je te dis? Faut pas faire ça, Matt. Matt, on a déjà parlé. Il faut pas faire ça. Parce que quand tu fais ça, bah ça m'énerve. Oh, non, en fait, je rigole! Casse-toi! Et bim! Faut faire gaffe que je peux plus contrer, mais lui aussi il peut plus contrer. Il faut juste faire attention que Sheamus ne vienne. Non, mais what? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais. D'accord, en plus il va te prendre. One, two, c'est bon. Eh, tu vois, ça c'est le genre de truc qui peut m'arriver. Me faire voler comme ça là. C'est pas possible.
D'accord? Tu vas vite te calmer, Seamus. Non. On attend. On va le soulever. Tranquille. On va le faire un petit powerbomb. Des familles. Voilà. Après, il faut que je récupère un objet, là. Je suis en manque d'objets. C'est pour ça que je me suis pas mal... Je me suis pas mal tapé. Est-ce qu'on peut faire un petit... Allez. C'est ton... Normalement, c'est ton compère qui le fait. Mais là, c'est moi. Allez, on est parti. Tournicotis, attention, Matardi, ça peut picoter. Fais gaffe à la tête. Ça picote, 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 ça picote, ça picote. Oh, je suis... En plus, il se fout de sa gueule. Voilà, ouais, ok. Pas mal. Ah, ça dirait pas que... Ouh, non, c'est pas bon, ça. Non, normalement, Sheamus, il devrait pouvoir se relever. Il m'a fait peur, je vous l'avoue. Il m'a fait un peu peur. Mais, bon, il faut juste... Non, fais pas tomber après ça, voilà. Fais-lui ton finisher, si tu veux. Voilà. Faites ce que vous voulez. Moi, je récupère mon Sledgehammer. Non, mais... Oh, voilà! Waouh, téléportation! Et on l'a contré... On l'a pas contré, là? Mais j'étais sûr de l'avoir contré. J'allais dire, et voilà le contre! Voilà plutôt le con, hein. On est mal! Ah, il sait plus qui taper. C'est une bonne chose. Tapez-vous entre vous. Laissez-moi récupérer mon Sledgehammer, s'il vous plaît. Ouais, de coin en coin. C'est le frère, coin coin. Voilà la petite taponnette. Ah, peut-être taponnette. Ouais, ils font un match magnifique. En plus, ils peuvent plus contrer. Non, non, je vais laisser Sheamus s'en occuper. Voilà. Tu me l'as jeté sur moi. Je crois que c'est bien de faire ça. Et bim. Et tiens. Et là, moi, je fais le tomber sur Matt. On vole un peu. Oh, attention, le rope break. Ouais. C'est bien ce que je me disais. De toute façon, hop. Ça passe. Le petit tombé, normalement. Ça devrait être bon. Deux. Simplement deux. Ouais, ça devrait être bon. C'était pas bon. On le fait souffrir un peu plus. Non, non, non. Par contre, on est un petit peu lent, hein. On est un petit peu lent, je trouve. En même temps, je dis ça alors qu'on a zéro d'endurance, là. Il va m'envoyer dans tous les coins, je pense. Il va se venger de ce que je lui ai fait. Aïe, aïe. Mais c'est bon. À un moment, faut arrêter. Qui doit attaquer? Qui doit attaquer? D'accord. C'est pas trop comme ça que je voulais que ça se passe. Non, mais ça aurait pas dû se passer comme ça. Alors, par contre. Par contre, fais gaffe à ça. Voilà. Se faire avoir bêtement comme ça. En plus, 6-6-6. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, les petits loups. Ok. Ça veut dire que je vais me faire contrer comme un vieux rapace des pigs. D'accord. Amusez-vous, hein. Je suis votre chose. Voilà. Faites-vous plaisir. Le temps que je me réveille, ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Voilà. Matt, ok, il sait plus où aller là. Oh, mais je vais attendre. Moi, je prends le Sledgehammer. Et bim, ne touche pas à Matardi, c'est ma proie. Il m'appartient. Tiens. Non, t'aurais pas dû faire ça. Ok. Mais. Attends, il faut que je contre là. Il faut que je contre à tout prix. C'est bon, ça passe. Oh là là. Aïe, aïe, ça picote. Ça devrait être bon. Enfin, moi, je vais le contrer. Ouais, trop tôt, j'avoue, je l'ai fait une demi-heure trop tôt. J'ai fait une demi-heure trop tôt. Et la Sheamus va arriver pour me secourir. Que dis-je? Encore plus. Non, mais non, non, c'est bon, voilà. Pourquoi toujours faire les choses contre moi? Voilà, d'accord. D'accord, c'est bon. C'est bon. Hein, faut que ce soit moi la cible. Ah bah oui. Ça pique. Non, non, non. Fais pas de tomber, s'il te plaît. Fais pas de tomber. Ne fais pas de tomber.
D'accord. Ne fais pas tomber. Non, non. Je préfère taper la révolte. Je préfère la taper. Je la sentais mal. Ah, ça va pas être évident, les amis. Hein. Au moins, c'est un beau match. Assez serré. Ah. Mais... Ah, pourquoi vous prenez toujours mon marteau? Enfin, pas vraiment le marteau, mais bon. On s'est compris. Matt, on a besoin de toi, là. Matt, j'ai besoin de toi, vraiment. D'accord. C'est bon. Je récupère un peu. Je vais prendre l'escalier. C'est tout ce qu'on a besoin. En plus, là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir en profiter. L'arbitre est concentré. Hop là, voilà. Matt, je suis désolé, hein. Mais tu vas subir. Tu vas subir. Tu vas subir, oui, je te le dis. Non, non, on va faire tomber là. Pourquoi se prendre la tête? Il n'y a pas de rope break, ça devrait aller. Deux. Simplement deux. Ça me paraissait évident. Normalement, il peut plus contrer, du coup, on va lui faire une petite prise qui passe bien. Voilà, pour une fois qu'on le voit de face, ça fait extrêmement plaisir. Alors, on récupère un peu. On est bien là. Sheamus, je te vois venir. Ouh, d'accord. Depuis quand? Ok. Alors là. Et là, ça passe. Là, ça passe. On fait le tomber. Et bim, on gagne. Allez, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. 1, 2. Si ça pouvait être aussi simple. Ça, vous devez vous dire. Voilà. On a l'impression que Sheamus, il est chaud patate. Hein. Par contre, ça ne dirait pas de l'attraper, voilà, je sais pas. Faire quelque chose. Oh là là. Quelle monstruosité. Quel monstre. En fait, je pense qu'il faut vraiment que je m'attaque à Sheamus. Ok. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre Sheamus. Mais c'est pas grave. Si on le contre, on est bien. C'est ça, en fait. Tant qu'ils gardent leur nombre de contres assez bas, je peux en bénéficier. Bon, là, tout ce que je bénéficie, c'est d'aller voir un kiné après le match. Et peut-être que ce match sera uniquement l'épisode, hein. Vu comment ça dure longtemps. Voilà, toi. Je te vois venir. Je te vois venir. Non. Par contre, le fait que... Comment il s'appelle? Matt Hardy et deux finishers. Ça fait un peu peur. J'aurais bien voulu le forcer à gaspiller ses contres, on va dire. Allez, gaspille-en moins, au moins. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est parfait. Allez. Bien. On est bien. Bon. C'est pas battelant. T'inquiète, Sheamus. Tout ira bien pour toi aussi. Je t'oublie pas. Voilà. Je lui ai donné un coup, mais j'ai l'impression de lui avoir rien fait. D'accord, même nous, au niveau de l'endurance, ça a tellement mal que... Ah, c'est un match extrême, hein. Enfin, extrême pour moi, en fait, que eux, ils ont pas vraiment utilisé les objets. Ils auraient pu. Ah. Non, 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 non. C'est bon. Et bim, le coup du B. Rien du tout. Voilà, c'est bien, battez-vous entre vous, j'aime ça. J'aime ce côté, vous battez entre vous. Par contre, mon endurance qui ne revient pas du tout. Ouais. Non. Ah ouais. Il a pas le temps, lui, hein. Il va essayer d'avoir son spécial, je pense. C'était une bonne chose. À la base. Mais là. Là. Relève-toi vite. Relève-toi vite parce que Matt n'attendra pas. Matt n'attendra pas. Bim! Allez, c'est maintenant. Faut faire le décompte.
Je sais pas si... Non, on n'aura pas le temps. C'est maintenant qu'on le faire. Allez, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 5 étoiles en plus. 1, 2, ouh. C'est pas possible. Comment ça se fait que... qu'il se relève après tout ce que je leur ai mis? C'est là qu'on voit... les mots légendaires. Il est pas pour rien. Attaque... attaque chez Emma, si tu veux. Pas moi. Mais je te dis pas moi. Pourquoi tu m'écoutes pas quand je te parle? Voilà, ça me laisse tout le temps. Ah bah oui. Endurance, encore une fois. Endurance, ça sert. Non, c'est bon, la contrée, bien joué. Nice. Bon, je fais une petite prise. Qui passe pas, bien entendu. Voilà. Et voilà, ça c'est bien. Et je pense qu'on va le finir. J'ose. Je vais oser, les amis. Je vais oser. C'est qui tout double? Par contre, ça me double pas, là. C'est pas bon. Aïe. Je pense que ça l'aurait vraiment bien mis dans le pétrin. Merci. Ça me sauve un peu la vie, ça. Par contre, faut juste faire attention. Non. Monsieur l'arbitre. Oh, merci, Jamus. Il en a encore dans le ziboulot. Il en a encore. Alors, Sheamus a un finisher, mais plus de contre. Matardi a 3 finishers. Avantage pour Matardi. Mais bon, on sait jamais. Sheamus, il suffit qu'il plaque. Voilà, dites-le si je vous embête. Bah, faut le dire. Hein. Non. Ça devrait. Voilà, au cas où, puisque je le sentais mal. C'est bien. D'accord. Sheamus est dans le mal. Mais ça me plaît pas. D'accord, je pensais qu'il était vraiment dans le mal. Je sais pas quoi faire. Vraiment. Je réfléchis un petit peu, mais... D'accord, je voulais prendre l'escalier à la base. Qu'est-ce qu'il va me donner? Tu me donnes un... Il y a plus rien? Ouais. Okay. Bon bah viens Matt. Ok. Dis-le si je t'embête, hein. Allez. Non, pas ça. Je veux bien que tu fasses des choses et tout, mais pas genre... Oh, ça picote, ça. Et non. Tu pensais faire quoi, là? Bam. Bah, en même temps, y'a plus personne. Voilà. Enfin, je sais plus qui attaquer. Je sais plus où donner de la tête. Ouais, ce match-là, il fera, je pense, tout l'épisode. C'est ouf. C'est la première fois qu'un match fait tout. Bah non, à part les gros pay-per-view, genre Royal Rumble ou Money in the Bank. Alors, attends. On va récupérer un peu. Matardi, il est encore dans le gaz. Voilà. Je pense qu'on va faire celui-ci. Ça passe très très bien. Ensuite, Matt. D'accord. Excuse-moi. Hein. C'est bon. Oh bah, tu sais quoi? C'est peut-être ça en fait. Ah d'accord. Aïe. Sheamus, il serait peut-être temps pour toi de te réveiller. Non! J'ai appuyé! J'ai fait la révolte! Non! Mais j'ai appuyé sur plein de touches en même temps. Donc je sais pas si j'ai appuyé sur triangle ou si j'ai appuyé sur carré. Oh non! C'est dommage de perdre comme ça. Oh non! C'était le match. Bon, chacun méritait de gagner. On va pas se mentir. Chacun méritait de gagner. Mais là, je l'ai mal. Je l'ai même plutôt mauvaise. Bon, et bien voilà les petits loups, après cette défaite, mais c'était un grand match, en tout cas j'ai tout donné, j'ai fait ce que je pouvais, mais je me suis fait avoir par mon propre sort, voilà, c'est de ma faute. Bah, j'espère que cet épisode numéro 63 vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, on se retrouve très très vite
pour l'épisode numéro 64. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!